Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Jesus. O Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena. Alleluia, alleluia, alleluia. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le 17 juin 2021 et bien sûr le chiffre 17 me rappelle tant de souvenirs en voulant parler des 17 apôtres des derniers temps qui avaient été choisis directement par le ciel, c'est-à-dire par la Vierge Marie, qui nous avait invités en Corse à Moriani, pour ne pas citer la ville d'accueil, et qui nous avait accueillis, bien sûr, pendant plus d'une année, à 17, dans un petit local qui faisait à peine 15-20 mètres carrés et où nous avions vécu matin, midi et soir, accueillis par le ciel et instruits par le ciel, et notamment Saint Jean-Baptiste qui faisait tous les jours des cours et qui nous avait invités le 15 août 2021 a signé le pacte d'alliance, ce pacte éternel d'alliance, le cinquième pacte du Père éternel, entre la terre et le ciel. Alors, eh bien, pour débuter, je voudrais vous offrir un petit poème qui est de Raoul Follereau, en 1920, je pense. Un sourire ne coûte rien et il produit beaucoup. Il enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le donnent. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir est parfois éternel. Personne n'est assez riche pour s'en passer. Personne n'est assez pauvre pour ne pas le mériter. Il crée le bonheur au foyer, il soutient les affaires. Il est le signe sensible de l'amitié. Un sourire donne du repos à l'être fatigué. Il rend du courage au plus découragé. Il ne peut ni s'acheter, ni se prêter, ni même se voler, car c'est une chose qui n'a de valeur à partir du moment où il se donne, bien sûr. Et si parfois vous rencontrez une personne qui ne sait plus avoir le sourire, eh bien soyez généreux. Offrez-lui le vôtre, car nul n'a autant besoin d'un sourire que celui qui ne peut en donner aux autres. Voilà, je vous offre ce poème avec mon sourire. Et le sourire de tous les pères de la Croix Glorieuse et de tous les membres de cette famille. Amen.
Alors, comme nous sommes le jeudi 17, eh bien, si par négligence vous manquiez la messe, eh bien, vous faites une perte d'un prix infini. Alors, faites des sacrifices pour ne pas manquer la messe. Sacrifiez un programme de télé, une invitation mondaine, ou bien, pour ne pas manquer la messe du matin, sacrifiez une friandise, ou un bonbon pour ne pas manquer la communion. Offrez à l'autel votre corps et votre âme, votre cœur avec ses affections, les travaux, les peines, les joies et les épreuves de la journée qui commence. Et en retour, Jésus vous donnera à manger la Sainte Hostie. Il vous communiquera sa vie divine et il vous comblera de ses grâces et de ses bienfaits. À la fin de la messe, le prêtre vous bénira au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et Jésus ratifiera cette bénédiction et elle s'étendra sur toute votre journée. Par la messe et la communion, vous commencerez déjà à vivre de la vie des bienheureux du ciel en attendant d'aller jouir avec eux de la vision béatifique, où vous prendrez part au sacrifice éternel de l'agneau sans tache, sur l'autel d'or du paradis, parmi les concerts des anges et des saints. Alors si vous voulez glorifier Dieu et honorer les saints, eh bien, assistez dévotement à la messe. Si vous voulez sauver beaucoup d'âmes, assistez dévotement à la messe. Si vous voulez obtenir beaucoup de grâces, surtout dans notre nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, eh bien, mes chers frères et sœurs, assistez dévotement à la messe. Et en ce jeudi Eucharistie, je vous souhaite tout le bonheur éternel que le Saint-Esprit a prévu pour vous. Amen. Alors, puisque nous sommes jeudi, jeudi Eucharistie, nous fêtons bien sûr Jésus, et pour tous ceux qui ont la chance d'avoir une exposition du Saint-Sacrement, eh bien, je voudrais rappeler que, primitivement, il y avait en honneur de la Très Sainte Vierge, célébré le soir après le chant des vêpres ou des complies, l'exposition du Saint-Sacrement. Et durant le Moyen-Âge, les saluts au Saint-Sacrement devinrent très populaires et ils avaient parfois lieu quotidiennement. Et à l'époque, il n'y avait ni exposition ni bénédiction du Saint-Sacrement, parce que l'orientation eucharistique de ces saluts remonte sans doute au début du XVIe siècle. À la fin de ce siècle, les saluts avec exposition et bénédiction étaient répandus dans l'Église entière. La défense contre le protestantisme, du dogme, de la présence réelle, contribua beaucoup à l'implantation de cet usage. Alors de nos jours, spécifiquement dans nos églises triomphantes, nouvelles du Saint-Esprit, bien les saluts sont toujours orientés avant tout vers le culte de Jésus-Christ dans l'Eucharistie catholique. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons offrir à tous les pères du Saint-Sacrement
et tous les pères de l'Église triomphante, un petit poème. Ce sacrement tellement saint, nous l'adorons le front courbé. Le rite antique cède le pas à la nouvelle liturgie. Là où les yeux sont impuissants, la foi apporte sa lumière. À Dieu le Père et à son Fils, louange et jubilation, honneur, respect, toute puissance soit à ceux que nous bénissons et que monte aussi vers leur Saint-Esprit une égale adoration. Amen. Alors, Seigneur Dieu, qui nous avait laissé cet admirable sacrement, comme le mémorial de votre passion, accordez-nous une si grande dévotion envers le saint mystère de votre corps et de votre sang, que nous puissions éprouver toujours les effets de votre rédemption, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. Le souvenir des victoires accordées par Dieu dans le passé soutient dans notre Église triomphante du Saint-Esprit la prière de ceux qui demandent la fin de la guerre au virus. En attendant, ils demeurent en paix, sachant que si toute guerre est une conséquence du péché et un signe avant-coureur de la fin du monde, alors la fin du monde elle-même est le moment de la victoire décisive du Christ. Et nous sommes proches du moment de sa victoire par son second avènement. Ce sera plutôt la victoire annoncée depuis si longtemps, des derniers temps, et annoncée aussi, bien sûr, par les 17 apôtres des derniers temps. Eh bien, je voudrais aussi vous offrir, parallèlement à cette messe, une information qui m'a été donnée par une amie, qui a bien sûr notre habit, et qui lui a été transmise par une sainte sûrement, qui disait, mais contre le virus, il y a un bon moyen, sûrement donné par Jésus, trouver la médaille miraculeuse de la Vierge Marie, la tremper dans de l'eau bénite et exorcisée par un prêtre, et simplement prier le Seigneur qu'il nous donne la victoire. Je voulais vous transmettre ce petit fait. Alors Dieu qui maîtrisait les guerres, votre puissant soutien repousse les agresseurs de ceux qui espèrent en vous. Venez au secours de vos serviteurs qui implorent votre miséricorde, pour qu'après avoir écrasé la force brutale de nos ennemis, nous puissions vous chanter sans fin notre éternelle reconnaissance. Amen.